soulagement après cette victoire, parce qu'on savait que ça allait vraiment pas être facile contre Gravelines, parce que ben, j'étais pas l'année dernière, mais ils ont gagné contre Cholet le premier match. Donc je pense qu'ils avaient un esprit de revanche et on a essayé de bien les contenir en défense dès le début du match et ça a marché. Ils ont pas eu trop de réussite en première mi-temps, donc on en a profité. Puis voilà, on a continué à jouer 40 minutes avec l'intensité. Les rotations ont été bonnes et c'est un bon match. Mais maintenant, rien n'est fait parce que là-bas, ça va être très dur. Donc on est préparé aussi à aller là-bas. Je pense que ouais, tout le monde est dans le rythme parce qu'on s'entraîne à fond tous les jours. J'espère qu'on est tous à 100%. Donc, je pense qu'après, quand le coach fait des changements, on essaie de pas faire voir la différence avec ceux qui sont sortis. On essaie même d'être meilleur, mais pour l'instant, ça marche. Et on va continuer comme ça jusqu'au bout. Prendre de plus en plus confiance, et puis le travail commence à payer. Parce que ça a été long pour revenir, et malheureusement, la fin de saison arrive, je veux dire. Mais c'est pas grave. On va attendre la prochaine. C'est vrai que pour l'instant, ça va pour moi. Le plus important, c'est l'équipe, c'est l'équipe qui tourne. Je serais content aussi. Ouais. C'était préparé à Bruxelles, on est au son match contre Rouen, la Belle. Il a fait un gros match, il a distribué pas mal de passes. Donc on a fait attention à lui, et sans oublier les autres. On a vu qu'au début de match, on a eu du mal à contrôler Séné. Et en deuxième mi-temps, on s'est repris. Donc, le coach a géré ça aussi.